Donc, je vous ai expliqué le fonctionnement. Maintenant, on va essayer de programmer un petit peu tout ça. Si je vous montre ce que ça donne pour le moment, bah, c'est tout simple, hein. Ça m'affiche donc les 5 dernières news. Donc, j'ai ma balise UL. Ensuite, j'ai le news.php qui m'a retourné les 5 LI, donc les éléments de liste. Et ensuite, la balise fermante UL. Donc, ça correspond à index.php sans rien parce que j'ai pas encore développé mon fichier de script news.js. Donc c'est parti. Si vous n'avez pas encore regardé le premier tutoriel sur jQuery, bah, je vous invite à le faire pour essayer de comprendre ce que je suis en train de faire pour le moment. Ça, c'est le début du script, donc quand le document est prêt. Et ici, donc la première chose à faire, c'est de développer la fonction que je vous ai présentée dans mon fichier PowerPoint, c'est la fonction setID. Donc setID, donc ça c'est ma fonction setID qui prend en paramètre l'ID et donc qui va associer ce paramètre-là au dernier ID de l'article. Voilà. Et donc bien sûr, bah, je vais avoir une variable dernière ID que je vais utiliser lors de l'appel AJAX. C'est ce que je vous disais dans le fichier PowerPoint. Donc là, j'ai codé ma première fonction setID qui va être appelée par le fichier news.php à l'intérieur du fichier news.php. Donc voilà pour la fonction. Ensuite, il faut que je dise dans mon fichier de script news.js d'appeler le chargement en AJAX toutes les 5 secondes ou moins si on souhaite, et ça on le fait avec setInterval. Donc setInterval, c'est une fonction de JavaScript qui va me permettre de charger une fonction tous les intervalles donnés. Donc moi, ma fonction, ça va être charger news, et je vais le faire toutes les 5 secondes. Voilà. Donc ça c'est en millisecondes, donc 5000 millisecondes. Voilà, et donc la fonction charger news, je vais la développer. Donc fonction charger news. Voilà. Et ici, donc il va falloir que je fasse l'appel en AJAX. Je vous avais montré dans le premier tutoriel comment on fait un appel tout simple avec la fonction load. Et bien là, il va falloir faire un appel à la fonction AJAX, qui est un peu plus complète, qui va pouvoir on va pouvoir paramétrer tout un tas de choses. Si on veut poster, si on veut traiter des XML, etc. Donc on fait comme ça, jQuery.ajax. Et là, ça nous demande des options. Donc les options, on les met comme ça. Et donc à l'intérieur, donc j'indique d'abord l'URL. Donc l'URL du fichier à charger, donc dans mon cas news.php, sans oublier le paramètre. Donc ici, le paramètre, ça va être dernier ID. Voilà. Donc à la fin d'une ligne ici, hop, je passe avec la virgule à l'attribut success. Success, ça indique que la requête AJAX a bien été effectuée. Donc qu'est-ce que je fais lorsque ça a bien été exécuté? Eh bien, j'exécute une nouvelle fonction. Et dans cette fonction-là, eh bien, je récupère ici mes données. Donc ici, je pourrais faire un alert data pour qu'on m'affiche les données qui ont été retournées par AJAX. Donc je vais pas faire alerte moi. Ce que je voudrais d'abord, dans un premier temps, c'est rajouter ces données-là dans ma liste. Donc la première chose, hop, ici je sélectionne ma liste qui a l'ID actu, donc ici avec le sélecteur dièse actu. Et ici, bah, j'ai plusieurs choses pour insérer les données dans la page. Donc on a les insert after qui va insérer le contenu après l'élément actu. Insert before, ça va être avant notre élément. Donc là, ça ne nous intéresse pas parce qu'on ne veut pas insérer les LI après notre liste ou avant la liste. Donc on a append et prepend, donc ils vont pouvoir insérer à l'intérieur. Donc append, ça va faire à la fin des éléments de notre liste, ou alors prepend au début. Donc nous, moi je vais utiliser prepend. Et donc là, content, ça va être les données, data. Donc pour l'instant, si je laisse tel quel, je sauvegarde, je vais retourner sur la page et je vais afficher, si je peux, hop, la console. À côté, je vais vous montrer la base de données. Donc je recharge une première fois.
Voilà. Et normalement, ici, la console va me montrer ce qui est effectué toutes les 5 secondes. Voilà. Donc ça, c'est un premier appel vers mon fichier news.php avec en paramètre le dernier ID de la news qu'on a ici, donc avec l'ID 7. Pour l'instant, comme j'ai rien en base, il me retourne rien. Il m'affiche rien. Comme j'ai rien de supérieur à 7. Donc ici, je vais rajouter une news. Et on va regarder ce qu'il fait ici. Voilà, il m'a rajouté 7 ici. Et maintenant, dans mes requêtes, il devrait, voilà, il fait la requête avec le dernier ID qui est 8. Donc maintenant, il est en train de rechercher toutes les news dont l'ID est supérieur à 8. Donc et ainsi de suite, si maintenant je rajoute une nouvelle news, voilà, il me l'affiche ici. Donc pour l'instant, ça fonctionne. Il reste deux choses. Il faudrait rajouter un petit effet ici pour que ça s'affiche d'une manière un peu plus stylée. Et la seconde, c'est qu'il faudrait aussi retirer de la liste le dernier élément. À chaque fois que je charge un nouvel élément, eh bien, il faudrait que je le retire de la liste. Je retire le dernier élément de la liste pour pas qu'on se retrouve avec une liste avec une infinité d'éléments qui va alourdir la page. Donc je vais retourner ici dans mon fichier .js. Et donc d'abord pour styler l'élément, il faut faire le prépend d'une autre manière. Parce qu'ici, si je veux rajouter un effet de style, comme un slide ou un fade, ça va me le faire sur l'élément actu, donc sur la liste en entier. Alors que moi ce que j'aimerais faire, c'est le faire sur l'élément qu'on va rajouter. Donc en fait, il va falloir inverser le prépend. Donc la première chose, c'est qu'on va faire le sélecteur sur les données. Et ensuite, c'est ça qu'on va faire, qu'on va prepend to, voilà, l'élément actu. Donc là, ça fait la même chose que tout à l'heure, c'est-à-dire que ça va nous ajouter nos données au début de notre liste actu, sauf qu'ici, je vais pouvoir rajouter des effets, comme un effet de slide down, hop, avec un délai, par exemple, 2 secondes, sans oublier qu'un slide down, il va faire donc se dérouler un élément, mais pour que l'élément se déroule, il faut d'abord qu'il soit caché, qu'il soit masqué. Donc ici, je vais faire un hide, donc je vais cacher l'élément et ensuite le faire se dérouler sur 2 secondes. Donc je vais retourner ici à ma page, je recharge. Hop. Je retourne dans ma base de données et je vais rajouter des éléments. Voilà, et donc on voit ici le slide qui s'exécute. Encore une fois, voilà. Donc là, ça nous fait bien le slide. Maintenant, ce que j'aimerais, c'est mêler slide, slide down et fade in pour faire un élément qui à la fois se déroule et apparaisse en fondu. Donc, je vais retourner ici dans mon .js et à la fin du slide down, bah, je vais vouloir ajouter fade in. Et ici, bah, on va voir ce que ça va donner. Donc là aussi, sur 2 secondes. Et je vais recharger ma page. Et rajouter encore des données en base. Voilà. Donc ici, mon changement a bien été pris en compte, mais jQuery n'arrive pas à interpréter, à faire en même temps le slide down et le fade in. Donc pour faire les deux en même temps, il va falloir qu'on fasse appel à la fonction animate de jQuery. Et cette fonction-là va prendre en paramètre des éléments, des attributs pour notre élément sélectionné, et donc cette fonction animate nous permet d'aller plus loin dans l'animation et de paramétrer tout un tas de choses, de faire des animations beaucoup plus précises que slide down ou fade in. Donc ici dans mon animation, bah, je vais dire que la hauteur, ça va être ici ce que je veux, 200 pixels, 300 pixels, et que l'opacité, il va aller jusqu'à une opacité de 1, donc c'est-à-dire l'opacité quand c'est pas du tout, ça n'a pas du tout de transparence. Donc c'est ce que ça va permettre, l'animate. On lui donne en paramètre les attributs, et en gros, bah, il passe de son état dans lequel il était avant jusqu'à l'état qu'on a défini dans le animate avec un certain délai sur 2 secondes par exemple, etc. Donc ici, je pourrais définir les attributs en dur, avec 200 pixels ou 1. Ou alors, je vais utiliser dans mon cas, toggle. Donc toggle, ce que ça indique, c'est que ça ne détermine pas en dur
les valeurs des attributs, c'est que jQuery va compléter par lui-même pour changer l'état. Par exemple, on a le slide down et le slide up qui permettent de dérouler et de renrouler un élément, et on a également la fonction slide toggle. Et slide toggle permet de, si l'élément est déjà enroulé, alors de le dérouler, et si l'élément est déroulé, alors de le renrouler. Donc voilà comment ça fonctionne, et donc dans notre cas, on va voir que ça nous permet de faire l'animation désirée. Donc il va déterminer que la hauteur pour l'instant elle est de 0, donc il va aller jusqu'à la hauteur maximale, et l'opacité pour l'instant elle est de 0, et donc il va aller jusqu'à une opacité de 1. Donc voilà ce que j'ai fait pour l'instant, donc j'ai rajouté l'animation, et je vais maintenant retourner dans la page, je recharge la page, et je vais rajouter des données. Voilà. Et on voit bien là que ça apparaît, que ça scrolle et que l'élément apparaît en fondu. Moi je le vois bien, je ne sais pas si vous voyez bien en vidéo. Mais de toute façon, quand je vous invite à faire vos tests, essayez avec la fonction animate. Donc là on a fait pas mal de choses, mais il nous reste encore de retirer les derniers éléments de la liste pour éviter d'avoir une liste de comme ça d'une centaine d'éléments. Donc ça, on va le faire ensuite. Donc d'abord la première chose à faire c'est de vérifier si on a du contenu dans les données, parce que là j'ai rajouté ça et on a de la chance que data ne retourne rien si on n'a pas de nouvelles news, parce que si ça retournait quelque chose alors qu'on n'a pas de nouvelles news ici, bah ça rajouterait ce quelque chose dans notre liste même si on n'a pas de nouvelles news, donc ça pourrait créer un problème parce que à chaque appel on aurait notre liste qui s'incrémente alors qu'on veut que celle-ci s'incrémente à chaque fois qu'on ait réellement des données de news. Donc là ici je vais rajouter un test pour vérifier que data est différent de nul, différent de vide. Voilà, donc je rajoute ici ce que j'ai commencé à développer, et ensuite dans mon if data différent de vide, alors je vais essayer de retirer le dernier élément de la liste. Donc je vais d'abord sélectionner ici l'élément actu et ici donc l'élément de la liste, et donc jQuery permet de sélectionner donc des éléments avec des sélecteurs un peu plus poussés que simplement le nom de l'attribut, le nom de la classe, avec deux points, par exemple dans mon cas last-child, et donc ce deux points last-child il va me permettre de sélectionner le dernier élément li de ma liste actue. Donc là je l'ai sélectionné, maintenant là aussi je vais petit à petit le faire disparaître. Donc je reprends ici mon animate, donc si vous avez bien compris le toggle, là ça va faire l'effet inverse, et ensuite non pas hide, parce que hide va cacher l'élément et le laisser dans notre page, mais cette fois-ci remove. Donc là, même j'aurais dû utiliser un callback, si vous avez regardé bien la première vidéo. Vous savez ce que c'est un callback, donc ici c'est ce que je vais utiliser pour que ce soit mieux, pour que réellement ça me retire l'élément une fois que l'animation est complètement terminée, donc une fois qu'il a disparu. Et donc cette fois-ci je peux utiliser le this.remove. Voilà, je sauvegarde. Je vais retourner dans la page. Hop, je recharge bien sûr. Et je vais rajouter des données. Voilà, donc on voit bien que le nouvel élément apparaît, et pendant que celui-ci apparaît, le dernier élément disparaît en fondu tout en se renroulant sur lui-même. Donc ça donne un petit effet de slide dans notre liste actu. Donc voilà pour le tutoriel, j'espère que ça vous aura été utile encore une fois. Si ça vous est utile, n'hésitez pas à faire de la promotion pour postal-code.fr et puis pour le site 365-jour.fr, et je vous en serai infiniment reconnaissant. Si vous avez des commentaires, des petites remarques sur ce tutoriel, n'hésitez pas à les poster en commentaire, et moi je vous dis à bientôt. Salut !